Il a annoncé, l'air de rien, qu'il avait été opéré d'un cancer le 24 décembre 2021. S'il a accepté de ne dire davantage à propos de son état de santé sur Twitter ce jour-là, c'est que Guillaume Durand avait reçu, quelques jours plus tôt, d'excellentes nouvelles. Non seulement il est en rémission, mais il va pouvoir reprendre du service, à la fin du mois de janvier, sur Radio Classique après 8 mois d'absence avec une nouvelle émission. Je vais bien, assure-t-il auprès du journal Le Parisien. Surtout depuis le 21 décembre. Ce jour-là, après un ultime scanner, le patron de la médecine nucléaire a crié dans le couloir, « Y a plus rien. J'avais envie de l'embrasser. » Tout a commencé, pour Guillaume Durand, avec un bête mal de dents survenu au printemps. De fil en aiguille, de mauvais diagnostic à hémorragie incompréhensible, l'animateur a finalement appris qu'il était atteint d'un cancer de la mâchoire. We'll be right back.